Et puis en pleine crise sanitaire, Mediapro veut renégocier le montant des droits télé du foot français pour cette saison. Le diffuseur qui a lancé la chaîne Téléfoot n'a pas été en mesure de payer son échéance d'octobre estimée à 172 millions d'euros. Mais au lieu de remettre en cause son engagement, Mediapro annonce aujourd'hui l'ouverture d'une conciliation avec la Ligue de foot professionnelle, Simon Rubin. Exactement, hein. Des discussions pour trouver un accord avec la Ligue sont en cours, des discussions confidentielles dont on ignore si elles concerneront le tarif payé ou l'échéancier, mais ce que l'on sait, c'est que ces discussions elles vont porter exclusivement sur la saison actuelle et elles vont durer de 3 à 5 mois. Jaume Roures, le patron de Mediapro, qui a réaffirmé l'engagement de son groupe, il y a un contrat en vigueur, il ne dure pas qu'une saison, on ira au bout. Jaume Roures, qui a voulu également montrer que son groupe était fort, qu'il avait les fonds nécessaires. Il a ainsi annoncé le nombre d'abonnés revendiqués par la chaîne Téléfoot, autour de 600 000. On est loin des 3,5 millions nécessaires pour l'équilibre de la chaîne. Alors au final, Jaume Roures voulait rassurer, mais la stratégie de son groupe reste floue. Et puis la capacité d'emprunt, la trésorerie de Mediapro, la capacité à payer la prochaine échéance de décembre, eh bien tout ça reste flou à l'heure actuelle. Simon Rubin pour Europe 1.